Mais sinon, bah, C'est pas mal. celui qui n'en a pas, Moi j'en ai un aussi, je vais vous dire. celui qui Ouais. n'en a pas, il a pas de, il a, tu, mais après, une fois que tu as tout bouffé, et eh bah t'as, là, tu es encore plus dans la misère. Blue Sun Mélasse. Bah, je vais vous dire mon mot. Le mot que je ne changerai pas. Un mot pour moi 2020, c'est transparence. Et ça, c'est percutant. Tu sais qui fait quoi. Tu sais où tu habites. Tu sais qu'en face de toi, tu as des gens qui t'ont balancé. Tu sais ce qui se passe en France. Tu peux savoir ce qui se passe à l'étranger. Transparence. Ceux qui ont le pot dans le pot de confiture, la main dans le pot de confiture. Tous ceux qui. De plus en plus, transparence. Et ça, c'est bon. Eh ben, et regardez, réservoir à PPS, ceux qui ne l'ont pas vu, ne pas perdre son âme. C'était ça le titre, Ouais, ne ouais, pas ouais, perdre ouais, son ouais, 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 âme. ouais. Réservoir à PPS, à la 48e minute, il y a un discours, ceux qui ne l'ont pas vu, qui dure 20 minutes C'est d'un, 48? à la 48e. Voilà, à la 48e minute, dans ne pas perdre son âme, le live, là, ça durait 2 h 30, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, mais là, le Edmond, c'est 18 minutes? Ouais, 18 minutes. À la 48e minute, et ben qu'est-ce qu'il dit? Ils disent que c'était en 2004. Il dit, si vous placez des gens, on saura qui vous mettez, à quelle place, et s'ils sont compétents ou incompétents. C'est pareil que ce que tu fais. Voilà, c'est Hein? ça. C'est ça. C'est ça. On sait s'ils sont compétents ou pas compétents. Voilà. Bon, Et de n'importe quel bord, il a dit. Hein? C'est pas une histoire. Parce que les problèmes, c'est ça aussi. la tour Eiffel sortie, ouais. Ils ont chacun leur bord. Mais ça, je crois que c'est mort quand même à un moment. Hein? De droite ou de gauche. Et les gens, ils croient, enfin, Non, mais là, ayant c'est l'équipe, une plus. équipe, les Non, mais là, gens. c'est même plus gauche-droite, c'est mondialiste ou patriote. C'est ça. C'est tu vends ton pays ou tu le vends pas, quoi. Tu respectes les gens, tu les respectes pas. C'est ça. C'est important, tu vois. Au-delà des cultures, enfin, non, même pas. C'est une culture française. Il y a une façon de faire les choses en France, quoi. Il y a des choses à respecter quand tu viens dans un pays, quoi. Mais Dans tous les pays du monde, hein. il y a le mec qui est globaliste, il est milliardaire, ou qui mange à la gamelle grave, ben, il pense qu'à sa gueule. Mais les autres qui sont en bas, ben, comme il l'avait dit, après ça va devenir la France à 2 ou 3 vitesses. Il l'a dit, le Corse, t'as vu, il disait, Ouais. la Corse deviendra à 2 à 3 vitesses. On le sait qu'avec l'argent européen, vous pourrez faire des pistes d'hélicoptères, des ports, des machins, des trucs de sécurité. Et puis de l'autre côté, ben, les gens, ils vont crever la dalle. Ce que je vois sur YouTube en ce moment par rapport aux Belges qui déconnent, je pense que YouTube, ils ont des soucis au niveau de, non pas du stockage, mais des redirections. Et je pense qu'ils subissent en ce moment des turbulences, YouTube. Et ça se voit au niveau des images. Ça se voit au niveau de certaines choses. Ça s'est vu tout à l'heure pour mon podcast. Je l'avais pas en replay. C'est la première fois que j'ai pas le replay juste après. Il y a des turbulences dans YouTube actuellement. Ça se voit. Je suis pas le seul à le dire. Il y en a un qui a des problèmes avec l'argent, là. Il me dit les compétences, faut pas être payé. Quand t'es pas payé, tu te manques de respect, on te manque de respect, on te prend pour une, je sais pas, une serpillière. Ton problème, c'est pas l'argent, ton problème, c'est toi-même. L'argent, c'est. T'as qu'à être payé, je sais pas moi, en cacahuète, hein, si tu veux. Mais le problème, c'est que ça vaut pas la même chose, Ben moi je suis payé en cacahuète. quoi. Moi je tiens un an. Dans 2 semaines, ça y est, c'est un an. Ouais, mais si tu le fais pas, mais à un moment, mes peintres, bah, ils sont dans leur merde aussi et puis ils m'appellent même pas. Voilà, pourtant Ouais, c'est pas cool. je me suis décarcassé. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils font leur truc. Tiens, regarde le périph' de l'autre côté, il est blindé aussi. Ouais, c'est un déconfinement là. De toute façon, on n'a jamais été déconfiné, mais en même temps, c'est une période très spéciale. Il faut tout lire et ne pas interpréter. Ouais, il faut arrêter de donner des conseils surtout. Oh, non, ce qu'il y a, c'est la Port ro d'Orléans. ils veulent robotiser, ils veulent comment Bug, dommage. Ouais, pour toi, mais pas pour nous. amazoner, ubériser, amazoner, voilà ce qu'ils veulent faire. VTCisé. Voilà, l'Amazon, les petits commerces qui crèvent, bah oui, ubériser par barquette avec des vélos, ils vont monter les plats directement sur la table devant la télé. Voilà. C'est un confinement bio. Bon. Bah, c'est un État français qui ressemble un petit peu à un État communiste. Je sais pas, ce que je sais pas, je pourrais pas vous dire mieux. Ce que je pense, c'est ça. Il faut attendre le maître suprême pour savoir comment on est bouffé. Moi, j'ai même pas envie de savoir ce qu'il va dire. À part pour sortir, parce qu'il y a ma masque et puis il y a sa patrouille. Et puis, à la limite, dès le 15, ça patrouille moins. S'il y a couvre-feu à 20h le 15, il n'y aura pas de patrouille avant 20h. Là, tu peux te dire, je sors tranquillou. Mais le choc psychologique qu'ont subi les gens, mais toutes ces personnes en France, le choc. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui restent chez eux. Il y a beaucoup de personnes qui restent chez elles. Et ma femme, elle m'a dit qu'il y a des clientes, elles ont peur, des mamies, elles veulent même pas aller au coiffeur de peur de se faire contaminer par le coiffeur.